Il y a 10 ans jour pour jour, lors des championnats du monde à Moscou, une des plus grandes performances de l'athlétisme français était réalisée. Concours du triple saut. Le Cubain Pedro Pablo Pichardo et le Français Teddy Tango sont tous les deux en tête du concours avec 17,68 m. Il reste un dernier saut pour espérer faire la différence. Le Français se concentre et s'élance. Les sauts sont fluides. Teddy Tango pour la postérité. 18,04 m. Une marque pour l'histoire, 17 ans que personne n'avait fait une telle performance. Il est alors le troisième homme au-delà des 18 mètres. Le Cubain est sonné, Teddy peut savourer, il est champion du monde. Seulement le 5e champion du monde en individuel de l'histoire de l'athlétisme français. Et début 2023, Teddy Tango a annoncé son retour à l'entraînement en vue des JO de Paris 2024. Il aura alors 35 ans, mais tout le monde se souvient d'y.